Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons passer un petit peu plus d'une heure ensemble afin de travailler les différentes techniques que j'utilise. Cette cassette se divise en quatre parties. La première et la deuxième sont consacrées exclusivement au travail de l'aller-retour, avec 12 exercices sur une corde dans la première et 16 exercices sur 2, 3 et 6 cordes dans la deuxième. Dans la troisième partie, nous verrons des extraits de mes albums. Ça nous permettra de travailler d'autres techniques comme le sweeping et le tapping. Et enfin, dans la quatrième, nous parlerons matos, ampli, cordes, médiators, etc. J'en profite pour vous rappeler que dans le livret fourni avec les vidéos, vous trouverez évidemment une transcription solfège et tablature de tous les exercices, mais aussi un rappel des principales positions des gammes. Je pense aux majeures mineures relatives, majeures mineures pentatoniques, mineures harmoniques et mineures mélodiques, avec évidemment une connaissance de tout le manche qui vous permettra de transcrire tous les exercices que nous verrons. Nous allons déjà nous accorder et attaquer tout de suite les exercices sur une corde. Nous allons attaquer par une série d'exercices sur une corde. Le but est de synchroniser parfaitement les deux mains avant évidemment de travailler sur 2, 3 et 6 cordes. Alors, les deux choses que nous allons développer, c'est tout d'abord des différentes combinaisons au niveau des doigts de la main gauche, avec un doigt par case et le pouce évidemment derrière, un peu position classique, à part pour les plans rock que nous verrons plus tard. Au niveau de la main droite, ce qui est très très important, c'est d'avoir l'avant-bras fixe, d'éviter d'avoir ce mouvement-là, c'est-à-dire d'avoir tout l'avant-bras qui bouge. C'est beaucoup plus fatigant physiquement, c'est moins précis et généralement ça marche pas, quoi. Donc voilà, il faut avoir l'avant-bras le plus ferme possible, posé, et d'avoir juste un pivot au niveau du poignet. Bon, la tenue du médiator est traditionnelle entre le pouce et l'index. La main est fermée, je lève légèrement le troisième doigt pour éviter d'être trop crispé. Donc la difficulté, c'est d'être à la fois détendu et en même temps de pouvoir développer une attaque puissante et rapide et endurante, dans le sens où il y a des phrases des fois très longues. Pour ça, je vous demanderai de travailler l'exercice lentement et longtemps au métronome. Ça sera assez important. Voilà, nous attaquons tout de suite. Alors, on commence à la huitième case, en fait, sur la note sol de la corde de si, avec le petit doigt. Cet exercice est en sextolet, donc 6 notes par temps, et vous aurez des accents à mettre sur le premier à la cinquième note du sextolet. Je vous le fais tout doucement. Un petit peu plus en détail le travail de la main droite. C'est un strict aller-retour avec une attaque vers le bas et donc les accents de la première et de la cinquième note sont vers le bas. Pensez à bien garder l'avant-bras fixe, à ne pas bouger tout l'avant-bras. Les deux choses importantes à maîtriser, c'est tout d'abord de pouvoir faire la phrase très vite, mais d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire... ou d'un travail d'endurance qui n'est en fait pas le même au niveau des muscles. C'est important de travailler les deux aspects, c'est-à-dire de travailler des choses très courtes, mais très synchronisées, et des phrases plus longues qui font travailler l'endurance au niveau des muscles. Bon, toujours pour le travail de la main droite, une fois que vous maîtrisez donc l'aller-retour en commençant la première note vers le bas, c'est important de travailler exactement le même exercice en commençant vers le haut, ce qui aura pour effet d'inverser les accents de la première et de la cinquième note du sextolet. Au lieu de... Là, en fait, je suis passé de l'un à l'autre. C'est important parce qu'on a une légère puissance supplémentaire en ayant les accents vers le bas. Et donc c'est important de niveler un peu la puissance des deux coups pour être vraiment régulier au niveau de l'aller-retour. Bon, l'exercice suivant est toujours sur les mêmes notes, donc à partir de sol sur la corde de si, le fa dièse et le mi, simplement l'ordre des doigts est différent. Ça commence sur le fa dièse. Thank you.
l'instant, tombe sur le 1 et le 3 au niveau du sextolet. Pensez aussi à travailler avec des étouffés au niveau de la main droite. Pensez à les mettre, à les enlever, à jouer librement avec ça, c'est un outil aussi important musicalement. Et une fois que vous maîtrisez cet exercice, faites comme pour le premier, c'est-à-dire commencer par une attaque vers le haut, de façon à niveler la puissance des deux attaques. Nous allons travailler maintenant sur une série de trois exercices, le 3, le 4 et le 5. Toujours sur les mêmes notes, sol, fa dièse et mi. Tout d'abord dans un ordre naturel pour l'exercice numéro 3. Sol, fa dièse, mi. Ensuite, l'exercice numéro 4 est exactement le même mais inversé. Donc à partir du mi. Et l'exercice numéro 5 est la combinaison des deux. En ce qui concerne l'exercice 3 et 4, il y a une possibilité d'intégrer des notes en legato, c'est-à-dire des notes liées qui ne sont pas attaquées au médiator. Alors, en fait, la première note est attaquée vers le bas, la deuxième vers le haut, la troisième vers le bas, et la quatrième vers le haut. Et suit à ça deux notes liées. C'est aussi faisable évidemment sur l'exercice numéro 4, avec exactement les mêmes ordres au niveau du médiator, c'est-à-dire première note vers le bas, deuxième vers le haut, troisième vers le bas, quatrième vers le haut avec deux legatos. Accentuer les premières notes de chaque triolet. Ça donne une espèce de note en pédale comme ça qui revient tout le temps et quel que soit le 3, le 4 ou le 5e exercice, en fait ça marche dans les trois quarts. En ce qui concerne les legatos, pensez à accentuer, même à exagérer en fait l'attaque vers le haut. Celle qui donne naissance aux trois notes liées. L'exercice numéro 6 est en fait au niveau des notes le même que le numéro 3, simplement nous allons travailler sur des variations rythmiques, où nous allons passer en fait de double croche à triple croche sur les mêmes notes, donc à partir du sol, du fa dièse et du mi sur la corde de si toujours. Dans l'ordre. Simplement, nous allons passer de 2 triples croches à 7 doubles croches. Alors, une fois sur deux, les triples croches vont démarrer sur une attaque vers le bas et une attaque vers le haut.
Alors cet exercice utilise toujours les mêmes notes, donc Sol, Fa dièse et Mi sur la corde de Si. Simplement, nous allons intégrer le La ici, un dixième case avec le petit doigt. Donc attaquez bien les accents assez forts au niveau du médiateur, appuyez bien les doigts de la main gauche de façon à bien développer la puissance des deux mains. L'exercice suivant est chromatique. Nous allons intégrer la note Fa naturelle. Et c'est un exercice de tri, donc une alternance de notes. Aussi décoller légèrement l'index de façon à faire travailler plus les derniers doigts, c'est-à-dire qu'il y a plus d'appui en fait sur ces doigts. Pour l'exercice suivant, nous utilisons toujours le même chromatisme, donc avec le Sol, Fa dièse, Fa naturel et Mi. Simplement, l'ordre des notes va changer. À bien attaquer, c'est toujours en strict aller-retour. Et gardez bien cet exercice en mémoire car nous l'utiliserons dans la deuxième partie sur les six cordes. Pour l'exercice suivant, nous allons nous déplacer à la douzième case sur la corde de Mi de façon à ne pas user toujours les mêmes barrettes. C'est un exercice en double croche avec deux notes en pédale qui va nous permettre de travailler aussi les écarts. Accentuer la première et la dernière double croche. Vous pouvez commencer par travailler juste cette série-là avant de travailler les écarts. Et après, progressivement, vous travaillez les extensions. Tout à l'heure, quand je vous l'ai fait, j'ai fait un petit déplacement qui fait... Bon, le plan suivant est extrait en fait de mon premier album, un morceau qui s'appelait Secret Eyes. À l'origine, il était joué avec la corde de Sol en note de pédale, et maintenant nous passons à la corde de Si de façon à respecter un petit peu les mêmes notes que nous avons utilisées depuis le début. Je pense au Sol, Fa dièse et Mi. Pour terminer cette série d'exercices sur une corde, un nouvel extrait de mon premier album
avec un titre qui s'appelle Danger Zone, une série de double croche avec toujours le si à vide. En fait, nous allons travailler 5 positions différentes et ensuite voir l'enchaînement. Enchaînement des positions. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons travailler l'aller-retour sur plusieurs cordes. C'est une technique qui me tient vraiment à cœur, que j'ai commencé à développer en écoutant Andy Meola dans les années 80. Tant qu'on joue sur une corde, en fait, c'est un coup vers le bas, un coup vers le haut, quoi qu'il arrive, pour tout le monde, il n'y a pas vraiment de problème. Quand on joue sur plusieurs cordes, deux écoles s'opposent, le sweeping et l'alterné strict, donc on va voir un petit peu ça ensemble.
Alors pour vous expliquer ces deux différentes techniques, je vais vous donner un exemple sur la gamme de Do majeur en partant du Si, la septième majeure, à la septième case sur la corde de Mi. Alors en fait, on va faire tout d'abord en sweeping, c'est... Vous constatez qu'à chaque changement de corde, je rattaque vers le bas. En alterné, ça serait en fait uniquement un coup vers le haut, un coup vers le bas, quoi qu'il arrive, même en changeant de corde. Alors c'est cette dernière méthode que nous allons développer maintenant, travailler. La principale difficulté, c'est en fait qu'à chaque changement de corde, on se retrouve avec une attaque dans le cas de l'alterner vers le bas sur cette corde-là et vers le haut sur la corde d'après. Et quand on continue la gamme, on se retrouve avec une dernière note vers le haut et une note sur la corde d'après vers le bas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque changement de corde, on est soit à l'intérieur des deux cordes, c'est-à-dire comme ça, soit à l'extérieur. Alors qu'en sweeping, comme on rattaque à chaque coup vers le bas, en fait, tout est toujours le même schéma. Alors pour développer cette technique, j'ai mis au point quelques exercices que nous allons voir tout de suite. Alors là, nous commençons sur la corde de Ré, sur la note Si, et en fait, ça va être Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, sur ces deux cordes-là. Ce qui va nous permettre de travailler le changement de corde avec une attaque vers le haut, c'est-à-dire... Donc à l'extérieur des deux cordes. Exercice que 3 et 4, vous pouvez intégrer des liaisons. Je le refais une fois doucement. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous faites exactement les mêmes notes en commençant vers le haut. Vous serez à l'intérieur des deux cordes. Là, je vous ai fait une fois de chaque. En fait, quand vous montrez une gamme, vous aurez besoin un petit peu de ces deux phrasés. Passer de l'un ou l'autre schéma en fait sans problème. Dans l'exercice 14, nous allons utiliser exactement les mêmes notes que pour le 13e exercice, à partir du sol. Commençons par une attaque vers le bas. Cet exercice, vous faites pareil que pour le 13e, vous utilisez une attaque vers le haut pour commencer. Ainsi, avec le 13e et le 14e exercice, vous avez toutes les combinaisons possibles en alterné sur deux cordes. Je vous le remonte une dernière fois. Avec une attaque vers le haut. Alors là, nous allons changer un petit peu de gamme, nous allons travailler sur une gamme de Mi mineur pentatonique à partir de la 12e case sur la corde de Si, donc le Si à l'octave, et c'est une séquence en fait en double croche.
Si d'abord, sur l'accord de Si, Ré ensuite, Mi à l'octave, Sol et La en écart. La main droite évidemment toujours en aller-retour. Sur la gamme de mi mineur pentatonique avec les mêmes notes, donc du si jusqu'au la sur la corde de mi, mais ce coup-ci nous avons démarré en fait différemment au niveau de l'ordre des notes. Commençons par le sol, nous descendons jusqu'au si, et après le la. C'est à nouveau une séquence en double croche, en aller-retour strict. Et en fait, quand nous passons là, en fait, nous enlevons la note sol. C'est vraiment l'une ou l'autre. Alors, nous continuons sur la gamme de mi mineur pentatonique. Nous changeons simplement de corde. Nous allons commencer à partir du ré à l'octave sur la 12e case. Avec une séquence en sextolet, en pentatonique toujours, mais une note supplémentaire, une seconde, le fa dièse. Déplacer ce même genre de schéma rythmique. Là, nous travaillons à nouveau sur une gamme de sol majeur. Nous allons commencer une gamme au fa dièse, en fait, ici, deuxième case, et faire un démanché en double croche jusqu'au la 12e case ici, l'octave en mi. Alors maintenant, je vais vous décomposer tout ça. Nous allons travailler les quatre positions qui vont s'enchaîner pour travailler sur ce démanché de sol majeur. Je vous fais la première position à partir du fa dièse. C'est juste l'index en Do, troisième case, pour enchaîner avec la deuxième position. Déplacez à nouveau l'index. Sur la dernière position. Jusqu'au mi. Je vous refais une fois doucement toutes les positions qui s'enchaînent. La descente en fait qui part de cette même note, le mi. Je vous fais voir à nouveau les quatre positions. Mmh.
déplace. À nouveau le petit doigt. Toujours en strict alterné, travailler le doucement, essayer de faire vraiment tout en place, en double croche, au métronome. Pensez à mettre des accents tous les deux temps. Nous allons travailler un petit peu différemment les doubles croches, toujours en aller-retour, sur une gamme de Do majeur. Je vous fais tout d'abord la gamme doucement. Nous commençons sur le Mi 12e case et nous terminons sur le Mi 12e case encore de Mi grave. Et donc au niveau des doubles croches, le schéma est différent, je vous le fais tout doucement. En fait, c'est la seule note que nous faisons à cet endroit-là. Maintenant, nous allons travailler la montée de la gamme. À vitesse normale. Voilà, nous allons travailler sur un mode mixolydien en sol, donc à partir du sol sur la corde de sol 12e case et son octave ici. C'est une gamme de Do en fait qui démarre sur cet accord de sol 7e et on va intégrer un chromatisme, donc la note Fa dièse, qui est en fait la 7e majeure. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'on se retrouve avec un nombre pair et impair de notes sur les cordes, ce qui a une légère incidence sur le nombre d'allées et de retours. Donc deux notes sur la première corde, trois notes sur la deuxième, et quatre notes sur la dernière. Et ce, toujours en double croche. Nous allons reprendre un petit peu le schéma de l'exercice numéro 9 que nous avons vu dans la première partie de la cassette. Simplement, nous allons travailler ce schéma sur 6 cordes. Alors, ça démarre de la note Do, sur la 8e case, corde de Mi. Et après, nous passons à la corde d'après, et c'est toujours chromatique en permanence. Donc. Sur une corde. Continuons, 5e case, corde de Ré. Quatrième case.
descente s'effectue exactement pareil. Ça travaillait en triolet ou en sextolet suivant le tempo. Voilà. Nous allons continuer à travailler l'aller-retour, mais sur des arpèges, d'accord. La mineur, sol majeur et fa majeur. Alors évidemment, le sweeping serait plus fluide et plus rapide, mais à mon avis, pour certains tempos lents et médiums, l'aller-retour vous donne des notes piquées, staccato, beaucoup plus intéressantes. Donc je vais vous décomposer les trois accords. Le premier, le la mineur, qui commence sur la 12e case corde de la. Placez le petit doigt à la 10e case pour descendre l'arpège de sol majeur. On fait les deux premiers. Ensuite, vous déplacez le petit doigt à la 8e case sur la corde de la pour l'arpège de fa majeur. À nouveau le petit doigt à la 10e case pour l'arpège de sol. Et le petit doigt à nouveau sur la 12e case pour le la. D'exercice mais en ré majeur. Nous allons travailler sur tous les arpèges concernant l'harmonisation de la gamme. Nous commençons tout de suite par le ré majeur en 5e case. Mi mineur. Fa dièse mineur. Sol majeur. La majeur, Si mineur, Do dièse diminué, et Ré majeur à l'octave. Nous redescendons exactement pareil. À travailler sur les sauts de cordes, sur une gamme de Do majeur en partant du Si, donc de la 7e majeure. Je vous fais tout d'abord la gamme sur laquelle nous allons travailler. Nous allons travailler des séries de quintolets, donc 5 notes par temps. Nous allons en fait garder ces trois notes-là toujours comme base et déplacer les autres. Alors l'intérêt c'est évidemment de bien maîtriser les sauts de cordes au niveau de cette main-là, mais aussi au niveau des intervalles, de l'improvisation, de ne pas toujours avoir des notes qui sont toujours dans un ordre un petit peu prévu, quoi.
les changements de cordes sont faits en fait avec une attaque vers le haut. C'est... En fait, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer de façon à avoir les choses assez fluides. Alors là, c'est un exemple de l'utilisation des sauts de cordes. Nous venons de les voir en Do majeur, nous allons continuer dans cette tonalité. Simplement, c'est un exemple de phrase que j'utilise. Alors, je vous le fais doucement, ça part toujours du Si. Et nous avons exactement les mêmes notes à l'octave au-dessus. Et ensuite, nous poursuivons la gamme majeure. Ensuite, à nouveau un saut jusqu'au Do. Et ensuite, nous redescendrons la gamme complète normale. Alors à nouveau un exercice de saut de corde, toujours en Do majeur à partir du Si sur la corde de Ré, en double croche. Donc là vous avez gardé les 6 premières notes et nous avons déplacé en fait les 3 autres. C'est bien travailler le retour quand vous redescendez avec le saut de corde. Dernier exercice en saut de corde, toujours en Do majeur, je vais vous donner en fait les 3 positions sur lesquelles nous allons travailler. La première. La deuxième. Et la troisième. En fait, ce saut de corde va passer à travers ces 3 positions. Je vous le fais doucement. Et nous descendons par là. Ce chapitre, un nouvel exercice sur la gamme mineure pentatonique. Je vous fais tout d'abord la gamme. Nous allons la descendre par série de 4 notes.
cette avant-dernière partie de la vidéo, nous allons travailler sur des extraits de mes albums. Ça va nous permettre de voir d'autres techniques comme le tapping et le sweeping que nous n'avons pas vu pour l'instant. Nous attaquons tout de suite avec un extrait des 4 saisons de Vivaldi que j'ai intégré dans un de mes morceaux, Ultimate Dream, uniquement dans les versions de scène. Ce plan est extrait des 4 saisons de Vivaldi, du printemps, c'est un plan sextolet, je vais vous le décomposer tout doucement. Pensez à bien marquer les attaques vers le haut. La descente à partir du là. Je refais la descente. Dans ce deuxième extrait, nous allons travailler l'intro d'un morceau qui s'appelle Burnout. C'est en double croche en mi mineur, je vous le fais une fois à vitesse réelle. Alors je vous le décompose doucement, ça commence à la 15e case sur la corde de mi. En strict aller-retour, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Qui est toujours en double croche mais avec des accents toutes les 6 notes.
d'abord extrait du morceau Burnout, la phrase de fin qui est en ré mineur. Je vous la fais une fois. Nous allons voir l'intro d'un morceau qui s'appelle Rape of the Earth. Je vais le détruire une fois pour toutes, qu'on en finisse. Je vous le fais une fois, on l'exécute. Nous attaquons tout de suite par le premier plan avec l'utilisation en fait de la corde de sol à vide et les derniers doigts, les deux derniers doigts qui vont travailler principalement. Toujours en aller-retour strict au médiator et vous déplacez ce schéma. Je vous fais les deux premiers. Faites à nouveau le premier. À nouveau. À nouveau le premier. Le deuxième. Et le dernier. Ensuite la montée en do mineur, donc qui est extrait du Hanon, exercice pour piano. Rape of the Earth, le pont juste avant le solo. Je vous le fais une fois. Donc avec un petit saut de corde, je vais décomposer à nouveau tout ça. Alors première position. En aller-retour, donc quand vous faites le saut de corde, pensez à attaquer vers le haut. Deuxième position. Troisième position.
troisième position. Quatrième. La cinquième, en fait, vous gardez les aigus, c'est juste les basses qui changent. Sixième. Je la refais toute une fois doucement. Un petit peu travaillé sur le Vivaldi Tribute, qui est une adaptation d'un extrait des 4 saisons du Vivaldi, Presto de l'été. Nous avons besoin de la gamme Ré mineur mélodique, je vous la rappelle brièvement. Le plan que nous allons travailler, c'est la première montée que vous trouvez dans le morceau. Je vais vous la faire une fois doucement. Donc cette phrase commence Ré 12e case ici et l'octave en dessous à la 10e. Donc avec une attaque vers le bas et vers le haut. Ensuite vous déplacez l'index. Et bien, un nouvel extrait du Vivaldi, Vivaldi Tribute. L'accent sur les premières. Et bien si pour changer nous faisions un petit peu de Vivaldi avec un nouvel extrait de Vivaldi Tribute. Commence par une attaque vers le haut, pensez à bien les marquer et à ne pas faire plus de notes au médiator. On aurait vite tendance à faire ça, mais pensez à être bien rythmique et bien en double croche. Et ensuite un arpège majeur qui est aussi en aller-retour. Deuxième plan. Avec 4 doigts sur la corde demi et l'arpège. À nouveau 4 doigts et l'arpège majeur.
suis désolé, c'est à nouveau Vivaldi au programme, mais c'est un dernier extrait, c'est promis. Alors la tonalité du plan est en sol mineur. Nous allons passer d'une gamme de sol mineur harmonique à une gamme de sol mineur mélodique. La différence se situe au niveau de la sixte, qui est mineure dans la gamme mineure harmonique et majeure dans la gamme mineure mélodique. Alors vous allez sentir tout de suite la différence dès le premier plan. Donc là nous sommes en mineure harmonique et mélodique avec le petit doigt. Et ça va être comme ça tout le long. Pour les deux derniers extraits de cette vidéo, nous allons travailler une technique que nous n'avons toujours pas vue depuis le début. Il s'agit du sweeping. Pour illustrer ça, j'ai pris deux extraits. Le premier, c'est Barbarian at the Gate, qui est en do dièse mineur. Et le deuxième sera en fait un extrait de la fin de Back End sur mon album. Je vais simplement vous faire un léger rappel de ce qu'est cette technique en fait. Alors pour illustrer cette technique, j'ai choisi un arpège de do dièse mineur qui va nous servir ensuite pour travailler l'introduction. Je vous le fais doucement. Donc la première note de l'arpège est attaquée vers le bas, la deuxième vers le haut, la troisième vers le bas, quatrième vers le bas, cinquième vers le bas et sixième vers le bas. Et la dernière note sur la corde de mi est attaquée vers le haut. Et la descente est en sens inverse. C'est en fait toutes les attaques vers le haut à l'exception de la première note qui revient. Positions qui correspondent à cette introduction. Tout d'abord le do dièse mineur à partir de la 11e case. Donc deux fois les cordes aiguës. Quand vous redescendez la deuxième fois, vous arrêtez sur la note La pour le La majeur. La deuxième fois à nouveau le do dièse mineur. Le Mi majeur, le Si majeur, le Do dièse mineur 7, ensuite Mi majeur 7, Fa dièse mineur 7, Sol dièse mineur 7, La majeur 7, La majeur, Mi majeur, Si 7, Mi majeur, Si majeur, Mi majeur, Si majeur, La majeur, Do majeur, Si majeur. Alors,
dernier extrait de cette cassette, toujours du sweeping mais avec du tapping main droite avec deux doigts, en ayant toujours l'index et le pouce pour tenir le médiator. Cet extrait de Bach N, la suite harmonique va être en fait Fa majeur, Sol majeur, La mineur. Vous le verrez d'ailleurs ensuite en application. Cette série d'arpèges tourne sur une rythmique en 7-8 à la fin du morceau. Le Fa majeur est dans le premier cycle normal, avec juste un tapping en Fa ici. Et on descend l'arpège en lié, quoi, en legato. Pareil en Sol. Ensuite, dans la deuxième série, c'est à nouveau le Fa majeur. Avec un slide mi fa et on descend l'arpège jusqu'au la. Et après tapping sol, la et fa et l'arpège de fa majeur. Après arpège de sol, à partir de la quinte, toujours du ré. Slide ici fa sol. On descend en braille en lié jusqu'au si. Et tapping donc là si et sol, une légère fatigue s'installe, et ensuite le dernier arpège la mineur, donc vraiment comme ça avec un slide sol là, vous descendez jusqu'au do et le tapping en fait si Do, la tierce, et là, et on descend l'arpège. De la cassette, je vous avais parlé d'un chapitre consacré au matériel, donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilise. Je crois que c'est important. Tout d'abord les guitares, j'utilise des guitares ESP depuis maintenant 1989, donc depuis un petit moment. J'ai différents modèles, des Horizon Custom, donc des modèles spécifiques avec caisse à cajou, table érablondée et touche soit ébène, soit palissandre scalopée, donc une touche creusée. Celles-ci, ce sont des modèles Maverick, en fait celle que j'ai pris pour la vidéo, est complètement d'origine à l'exception des trois micros, 3 Dimarzio, un PAF Pro et 2 HS2 ici. En fait c'est comme un PAF mais avec un petit peu plus de niveau, et en fait, ce que j'aime bien c'est qu'il y a du croquant dans le grave, quoi. C'est assez mordant, ça évite d'avoir des graves trop ronds et qui baffent, quoi. Donc c'est assez précis et c'est agréable à jouer. Au niveau des hauteurs de micro et de cordes, je vais faire un petit plan de façon à ce que vous voyez ce que j'utilise. Généralement au-dessus de la 12e barrette, entre la 12e barrette et la corde, il y a 2 mm dans le grave et 1,5 mm dans les aigus quand je suis en forme et quand je suis un peu fatigué, comme j'aurais dû le faire aujourd'hui, mettre en fait 1,5 mm dans le grave et 1 mm dans les aigus. Voilà, ça c'est pour le réglage de l'action. Au niveau des micros, il y a 1,5 mm à peu près entre la corde aiguë et le micro, et un peu plus dans le grave, environ 3 mm, parce qu'en fait on a une prédominance de puissance dans les basses, et en fait au niveau notamment de l'enregistrement, c'est important d'avoir un son assez équilibré. Bon, je vais vous montrer la hauteur de corde, que vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors voilà, c'est évidemment c'est juste à titre indicatif. Ce qui est important, c'est de savoir qu'une action de guitare en fait idéale serait entre 2 et 3 mm, mais évidemment c'est un peu plus dur à jouer, notamment dans un style musical assez technique.
Maintenant, c'est vrai qu'en dessous de 1 mm, enfin disons entre 1 et 2, ça, on perd notamment au niveau des graves et de la puissance. Donc l'idéal, c'est de s'habituer à jouer le plus haut possible en ayant malgré tout un confort de jeu assez important. Bon, alors aussi, chose importante, les tirants de cordes. Donc j'utilise des Ernie Ball Regular Slinky, donc 10-46. J'ai joué très longtemps avec du 10. Au moment du passage avec des guitares Floyd, j'ai utilisé du 9-46. Mais en fait, je trouve qu'au niveau impact, au niveau de l'attaque du médiator, justesse des tirés, enfin je préfère le 10, donc je suis revenu à ce tirant-là. Au niveau des médiators, c'est des Tortex Dunlop 1/14 que je taille légèrement en pointe à la lime pour être plus précis et avoir un son légèrement plus brillant, parce que d'origine c'est une pointe assez ronde et ça a tendance à avoir un son un peu doux et un peu... Les notes sont plus détachées avec une pointe comme ça. Ceci dit, c'est valable pour l'instant, mais je change assez souvent, donc je suis toujours en perpétuelle quête du médiator idéal. Voilà. Au niveau des guitares acoustiques, j'utilise une Ovation Legend Cutaway pour le studio. Et en scène, en fait, j'ai une ESP Climax, qui est un modèle assez rare, en fait, même maintenant je crois qu'il est plus diffusé, et qui est une solid body électroacoustique, donc il n'y a aucun feedback sur scène, ce qui est assez pratique. Et par contre, là, j'utilise des cordes Ernie Ball Studio Phosphor Bronze Light 11-52. Voilà pour les guitares. Bon, alors au niveau des amplis, j'utilise différentes choses. Aujourd'hui, j'avais donc un préampli TubeFX de chez PV, qui me sert aussi de multi-effet. Là, j'ai un vieux Roland SDE 2005 que j'utilise dans la boucle d'effet pour avoir un délai supplémentaire. Ça me permet notamment, à l'aide d'un remote, de pouvoir ajouter du délai sans avoir la coupure du MIDI. Là, j'ai un Hush 2CX et deux amplis de puissance PV. Le baffle est un 51-50. Bon, évidemment, j'en ai plus sur scène, mais là, je crois que c'était suffisant. Au niveau du préampli, ce qui est important, c'est que j'utilise en fait que le canal crunch avec le gain à fond. Et il y a différents niveaux de disto, différents pads. Et en fait, j'utilise le plus haut, donc le plus gros niveau de saturation sur le canal crunch. J'utilise pas le lead, parce que pour moi, il est un petit peu trop saturé, quoi. Donc ça, c'est un truc important. Après, j'ai un equalizer graphique, donc toujours pareil dans le TubeFX, un 5 bandes graphique, une reverb et un délai. Donc sur l'égaliseur, je rajoute juste des graves et des aigus pour un petit peu creuser le son, quoi. Donc ça, c'est les points importants. Au niveau de ces amplis-là, le seul petit truc qu'il peut y avoir, si vous en servez sur des baffles, faites attention à l'impédance, parce qu'en fait, ils sont en stéréo 50 watts par canal sous 16 ohms, et quand ils passent en mono, c'est en fait en 8 ohms, donc il faut avoir un baffle avec impédance variable, sinon vous vous retrouvez avec une puissance limitée sur un baffle. Donc ça, c'est le truc. J'utilise aussi des têtes 51-50 et Classic 50, surtout pour le studio, mais là, maintenant que j'ai trouvé ça, je suis assez content de la précision. Ça me permet de descendre légèrement la saturation, de jouer moins saturé qu'avant, et d'avoir malgré tout du sustain et un son précis. Mais voilà, je vais vous remercier de m'avoir fait confiance. J'espère que cette vidéo va vous apporter plein de choses à bosser, qu'elle va vous donner envie de continuer dans la musique, d'en faire peut-être dans certains cas votre métier. Je pense qu'il faut travailler pas mal, faire des démos, bouger et puis avoir de la chance. J'espère que ça vous arrivera. J'espère ne pas vous avoir déçu et puis à bientôt.